Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man wala. Tout d'abord, je tiens à présenter à l'ensemble de la communauté musulmane à travers le monde mes sincères condoléances, puisque le décès de l'Ostad et de Cheikh Abdussalam Yassine rahmatullah alayh frappe la communauté musulmane, et donc c'est une épreuve qui touche chacun et chacune d'entre nous. Et ensuite, bien sûr, mes sincères condoléances vont à la famille en particulier et à tous ceux et celles qui se retrouvent en enseignement de l'Ostad Abdussalam Yassine rahmatullah alayh. Les savants sont les héritiers des prophètes. Et le fait que les savants étaient les héritiers des prophètes, ils sont la référence première. Le Coran nous rappelle d'interpeller les hommes du savoir si on ne sait pas, donc les ulama. Et quand on parle de Cheikh Abdussalam Yassine rahmatullah alayh, je vois un homme qui a été, à travers toute sa vie, celui qui s'est sacrifié, qui s'est engagé, qui a œuvré, qui a enseigné, qui a dispatché, rayonné autour de lui une sagesse, une résistance et une fidélité. L'imam Hassan al-Basri, le grand soufi, disait « Al-Rabbani fuqaha ahlu ibadatin wa taqwa ». Donc des gens qui ont le fiqh, la compréhension et une sagesse. Mais en même temps, quelqu'un qui a l'exigence de l'adoration et le souci de la piété. L'imam Ja'far al-Sadiq, alayhi rida wa salam, lui disait, dans l'interprétation de ce verset, Rabbani fuqaha musmi'una bi sama'i al-qulub mubsiruna bi a'yuni al-ghuyub. C'est-à-dire, ce sont des gens qui ont la compréhension, mais qui entendent au-delà de ce qui est perceptible et qui voient au-delà de ce qui est visible, c'est-à-dire au-delà du caché. C'est-à-dire des gens qui ont une relation particulière à Dieu. Et le Cheikh Abdussalam Yassine rahmatullah alayh, sans aucun doute, faisait partie de ces gens-là. Rabbaniyin, al-awliya al-salihin, de ces intimes de Dieu. Son engagement sur le plan politique, vis-à-vis des autorités publiques par exemple, la critique qu'il a faite du pouvoir en place, la résistance sur le plan social, il a développé tissé tout un réseau social, un réseau intellectuel dans les universités, un réseau social à l'égard de la misère et de la pauvreté, et un réseau spirituel, et ça c'est le troisième axe, celui de la fidélité, qu'il a développé dans ce sens de Rabbaniya. Il a éduqué les gens, c'est un Murabbi. Quand je lis les écrits de Cheikh Abdussalam Yassine, je pense à son ouvrage « Rijal al-Qawmati wal-Islah ». Dans cet ouvrage, il met en évidence des hommes de résistance, des hommes de performance, mais des hommes qui se sont formés, éduqués à la table de la spiritualité et de l'exigence de l'engagement. Eh bien, il était réellement quelqu'un de la fidélité, parce que jusqu'au bout, il est resté fidèle à ses principes. On n'a pas pu acheter son silence, il ne s'est pas vendu, et il est resté fidèle à l'enseignement du prophète Ali wa alayhi salatu salam. Innama wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Le prophète a été envoyé comme une rahma, une miséricorde. Et le Cheikh Abdussalam Yassine, rahmatullah alayhi, sa préoccupation, c'est la da'wa, la dawla et la rahma. Donc la da'wa, le message de l'islam, la dawla, c'est-à-dire l'engagement sociétal dans la cité, avec un regard critique sur le plan social, culturel, politique, économique, etc. Et troisième phase, c'est la rahma, la miséricorde. C'est-à-dire on ne peut pas dispatcher, rayonner cet enseignement si on n'est pas dans la rahma que nous a enseigné le prophète, alayhi salatu salam. Jamais le Cheikh Abdussalam Yassine, rahmatullah alayhi, n'a appelé à la violence, et il a appelé à une résistance pacifique mais constructive. Le Cheikh Abdussalam Yassine rahmatullah alayh wa qaddasallahu ruhah wa tayyaballahu tharah wa radiyallahu anhu ardah a été un monument sur le plan de la pensée, sur le plan de l'éducation spirituelle et sur le plan de l'engagement citoyen. C'était un citoyen marocain effectivement, mais il était un citoyen du monde. Le Coran dit qul wa qul i'malu fa sayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Dit, proclame, agissez. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de vivre une spiritualité et de la dire, mais il faut encore la mettre en action, en pratique, c'est ça le domaine de l'agir. Le Cheikh Abdussalam Yassine, rahmatullah alayhi, a été malmené par le pouvoir en place. On sait qu'il a été traîné
dans un hôpital psychiatrique considéré comme un fou parce qu'il a osé défier le pouvoir en place et rappeler le pouvoir à des valeurs. Il est tout simplement, comme a dit le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam, Afdalul jihad kalimatu haqqin 'inda sultanin ja'ir. La meilleure des paroles, c'est la parole de vérité face à un tyran. Et il a été parmi les résistants justement qui ont tenu tête à ce pouvoir en place, mais en même temps, il a été un des leviers de l'éducation spirituelle, de cette culture islamique, de la sahwa, de l'éveil islamique au Maroc, principalement dans les universités. Il pouvait toucher toutes les couches sociales, les pauvres, les riches, les intellectuels, les analphabètes, les hommes, les femmes. Son enseignement était à la portée de tous. Il a permis réellement de montrer que la société marocaine était une société qui avait à renouer les liens avec son patrimoine spirituel. Et elle devait se réapproprier une lecture nouvelle des textes à une lueur, sur base d'une lueur spirituelle. Et c'est ce qu'a fait le Cheikh Abdeslam Yassine. C'est une perte, c'est une des lumières de Dieu qui s'éteint. Et quand il n'y a plus de savants, ce n'est pas des techniciens du savoir, ce sont des gens qui ont la connaissance, mais ils ont l'exigence. Ils ont cette relation intime à Dieu, exalté soit-il. Eh bien, quand il n'y a plus ce genre de personnes, les gens considèrent n'importe qui comme savant. Ils sont interrogés, ils donnent des fatwas, ils égarent la masse, ils s'égarent avec la communauté. Le Cheikh Abdeslam Yassine, rahmatullah alayhi, était parmi justement les ulama rabbaniyin, sans aucun doute. Et l'impact qu'il a sur le plan international, j'ai pu le voir à travers des voyages que j'ai faits, que ce soit au Canada, ou à travers des pays européens, ou même dans certains pays d'Afrique. Sa pensée est présente. Son enseignement est largement diffusé. Il interpelle les consciences. Même si on n'est pas membre de son association ou de son mouvement, Al-Adlul Ihsan, beaucoup se retrouvent en son enseignement parce que son enseignement était fondé sur les principes de le Coran et de la Sunna du prophète Ali alayhi salam, avec une orientation spirituelle de tradition soufie connue, mais une rigueur dans l'analyse critique. Et je pense que sur le plan international, il a éveillé beaucoup de conscience. Il a apporté des réponses à énormément de questions sur le plan intellectuel. Je pense à son livre « Islamiser la modernité », dans lequel il soulève des questions qui nous préoccupent ici au quotidien, des questions de société, des questions d'ordre éthique. Et les musulmans et les non-musulmans peuvent trouver des pistes de réflexion dans ses écrits, dans ses interpellations qu'on peut voir sur Internet, etc. Sans aucun doute, il est parmi les grands réformateurs de notre temps. Tant les juifs, les chrétiens, les bouddhistes, les humanistes, tous peuvent trouver dans son enseignement des éléments qui leur permettent de pouvoir s'accrocher au sens, à la valeur des choses, à une quête de sens, c'est-à-dire la spiritualité. C'est une épreuve douloureuse pour la communauté musulmane. On a perdu dans les années 90 énormément de savants, le Cheikh Abdelhamid Keshk, rahmatullah alayh, le Cheikh Mohamed Al-Ghazali, rahimahullah ta'ala, le Cheikh Sha'raoui, rahimahullah ta'ala. À la fin des années 90, on a perdu les Cheikhs, comme le Cheikh Al-Albani, rahimahullah, le Cheikh Ben Baz. Avant ça, l'imam Khomeini, rahimahullah. Après ça, Mohamed Hussein Fadullah, Sayyid Shamsuddin, rahimahullah. Ici en Belgique, le Cheikh Hassan Ben Saddiq, rahimahullah ta'ala, mon maître ici en Belgique, le Cheikh Sadr Sharaf, qaddasallahu ruhah. Toutes ces personnes, quand elles s'en vont et elles meurent, elles laissent un vide et on n'arrive pas à le remplacer. Personne ne peut le remplacer. Si ce n'est leur enseignement et l'amour que les gens portaient pour ces personnes, la fidélité qu'ils ont en leur enseignement. Et c'est pour ça que le Cheikh Abdeslam Yassine, rahmatullah alayhi, va laisser un vide sans aucun doute. Et je pense qu'il est irremplaçable. Par contre, on peut, bien sûr, essayer de ressembler. Le poète arabe disait « Tashabbahu illam takunu ithlahum, fa inna tashabbuha bil kirami falahu ». Ressemblez-leur si vous ne pouvez être des leurs, car ressembler aux gens de la bonté est une félicité.